Salut! Allez, nouvelle vidéo pour débuter la semaine. Donc, on commence par une petite vidéo sur GT Sport, comme vous le voyez, avec comme d'habitude la vignette. Alors, pourquoi GT Sport? Je vais vous expliquer rapidement un peu ce qui se passe en ce moment si vous n'avez pas trop suivi, alors que j'ai mon câble qui me gêne. Bref, je vais vous expliquer vite fait. En fait, j'ai des petits soucis, des petits pépins physiques qui fait que je ne peux plus aller dans le baquet, je ne peux plus vraiment rouler sur le PC en simu. Le volant, pour l'instant, c'est terminé. Ça fait déjà un moment que j'ai pas roulé. Donc, il faut bien s'occuper. Donc, j'ai fait quelques jeux d'aventure avec la console. Et j'avais déjà auparavant rejoué sur GT Sport, mais je ne vous avais pas vraiment, vraiment fait de vidéo. Donc, je pense que je vais essayer de m'y remettre. Je vais m'y remettre, comme vous le voyez, je ne sais pas où elle est là, avec la petite manette. Hop, j'espère que vous la voyez bien. Parce que GT Sport, c'est pas forcément. Attention, c'est pas forcément une simulation dans le sens où je l'entends. Forcément parce que j'ai joué sur PC, je sais très bien ce que ça vaut. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire du gameplay avec cette manette-là et avec la configuration suivante. Passage des vitesses avec les sticks ici, L2R2. Et moi, l'accélération, je la gère avec le stick analogique ici. Bas pour freiner, haut pour accélérer. Je trouve ça beaucoup plus intuitif. On a beaucoup plus de marge de manœuvre, je trouve, pour doser son accélération. Et voilà, j'ai vraiment du mal avec les gâchettes pour accélérer. Donc voilà, je la joue comme ça. Et forcément, la direction gauche-droite, hein, je la joue avec le stick ici. Donc ça, c'est un premier gameplay que je vous fais. Vous voyez sur l'autodrome Lago Maggiore version GP en catégorie GT3. Alors je vous le dis, c'est le début, il y aura des problèmes de capture, de son, enfin bref, c'est pas nickel, mais vous verriez la tronche de mon setup actuel, un petit écran 14-15 pouces tout cassé, mon clavier il est là, enfin je ne le montre même pas tellement, c'est avec une table de camping, enfin bref, j'ai mon châssis JCL qui est juste à côté, j'ai mon PC qui est devant moi, je record avec mon portable qui est derrière, c'est une merde, pas possible. J'espère revenir assez vite. Au pire des cas, si c'est pas le cas, je ferai de la console. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur les petits soucis. Pour changer de sujet, là où je tourne la vidéo, on est dimanche. Et je viens de regarder la série à course SRO, donc e-sport, avec tous les pilotes professionnels, Button, enfin bref, et j'en passe. Ils ont décidé cette fois-ci de ne pas, comment dirais-je, mettre le ghost, le fantôme pendant le premier tour, chose qui avait été un petit peu critiquée sur la première course, la première manche. Et bon, bah c'est de nouveau un carnage. C'est encore une parodie de course, comme je l'avais dit sur Facebook lors de la première. Les gars, en fait, ils en ont rien à carrer. Ils viennent là juste pour faire mumuse. J'aimerais bien refaire une petite vidéo justement dédiée à ça. Les gars, ils viennent juste passer le temps parce que pour l'instant, ils peuvent pas rouler irréel, en vrai, quoi. Et dès que tout ça sera fini, dès que le confinement et tout ça, toute cette merde sera terminée, bah ils vont repartir sur les pistes et ils vont laisser tomber le sim racing. Bref, il y a même Romain Monti qui a fait un rage quit, qui a quitté complètement au bout de 3 tours. Bref, c'est vraiment pas des exemples à montrer. Ça montre effectivement de la visibilité, mais alors au niveau crédibilité, je suis pas convaincu du côté bénéfique de la chose pour nous simracers de tous les jours. Bon, voilà, bref, j'ai cette petite aparté. Je vous laisse avec cette course qui est vraiment très courte. Heureusement que je parle entre deux pour essayer de passer un peu plus de temps, mais c'est vrai que ça fait que 4 tours. Alors, c'est les manches qui sont données quotidiennement par GT, par Gran Turismo, donc pour pouvoir faire des défis quotidiens. Donc, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ce genre de course vous intéresse, même si, bien évidemment, c'est du Gran Turismo Sport et c'est de la manette. Je pense qu'il y a certainement un public pour ça. Bref, je vous laisse là-dessus. Bon, en tout cas, je m'amuse avec ça pour le moment. Et puis, je vous dis à une prochaine. Bonne journée. À plus. Salut. Allez, petite course en groupe 3. Donc, course qui est proposée ici en 4 tours. Je suis parti avec ma petite Audi en 12e position. Ça va être très compliqué. Alors, les temps sont assez serrés, mais voilà. Départ lancé comme d'habitude. On va se mettre le radar juste pour voir parce que j'ai encore un peu de mal avec les approches des véhicules sur les côtés. Allez, plein pot ici.
Allez, ça pousse. Ah là, il est devant, ça se tape une pénalité, c'est pas fait pour moi. Bon, sur 4 tours, forcément, si tu fais une erreur, c'est terminé. Voilà, fini pour lui. Allez, 7ème, on n'est pas trop mal placé. Je commence tout doucement à prendre mes marques avec la manette. Pas encore ça. Oui, surtout là. Coup de raquette ou contre-braquage, c'est très très difficile à doser. Allez, P6, mets-toi à la mi-course. On va essayer de se faire la BM devant. On va rebondir, de toute façon, une manette. Jamais aussi précis qu'un volant. On n'a pas la précision et on n'a pas le même plaisir, mais bon, comme je vous expliquais, cette période un petit peu compliquée pour moi. On prend son mal en patience et on essaye de revenir au plus vite, mais bon, ça dépend pas que de moi, donc j'essaye de se faire plaisir différemment. Ouais, à la manette, il est quand même possible de se faire un petit freinage dégressif. Ah, il me fait chier, lui, ça fait deux fois. Derrière, ça revient. Pousse pas, on me pousse pas. Putain, il va me faire chier. C'est bien l'italien, c'est bien.
Ah putain. Pénalité. Une ferme machin. Il va en profiter derrière. Ah, j'avais dit. Et c'est le dernier tour, dommage. Il cut un peu là. Ça va, mais il a pas pris comme il a. Ah si, il me l'a pris comme un cut volontaire. Est-ce que je vais sauver ma sixième place? Vraiment, c'est vraiment court, hein. 4 tours. Moi, je suis pas ridicule hein, face à ceux devant. Quelques petites erreurs. Oh, 6ème, c'est pas trop mal avec mes pénalités. Peut-être que je vais descendre. On va attendre le résultat définitif. Voilà, je pense que ça me permet quand même de gagner, de garder cette place. Ouais, ouais, je garde quand même la 6ème place. Bon, c'est pas trop mauvais. J'aurais préféré faire un petit peu mieux, mais bon, pour une reprise de GT Sport dans les conditions actuelles et avec peu d'entraînement, je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà, n'hésitez pas hein, si vous voulez plus de vidéos sur Gran Turismo et notamment peut-être une caméra sur ma manette. Voilà, bon, une bonne 6ème place, c'est pas trop mal. Moi je vous dis à une prochaine. Salut!